Il faut y croire et ne pas désespérer. Il y a toujours une issue à tous nos malheurs. Derrière un nuage se cache bien le soleil. Alors pourquoi pas des lendemains bien meilleurs? Nous avons suffisamment souffert à présent. Il faut placer tous les espoirs en soi. Seul on n'y arrivera pas, tous ensemble on peut y croire. L'important c'est de préserver notre vie. Nous vaincrons cette saloperie de maladie. Il faut se serrer les coudes et ne pas en découdre. On a déjà vécu bien pire. L'Holocauste a fait bien plus d'effroi dans ce monde de fous. On a toujours fait face aux pires menaces. C'est apparemment notre chemin de croix. Mais on a cette force qui nous maintient en vie. Ne pas sombrer, mais toujours se relever. On est tellement plus fort que ce virus. 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 Nous en avons tous marre, mais on ne peut plus faire marche arrière. L'homme est né pour se forger l'âme, pas pour la détruire et encore moins la négliger. La souffrance fait partie de notre humanité. Il ne faut pas croire que tout est perdu. L'espoir est un sentiment qui appartient à l'homme. Tout remettre au lendemain, alors pourquoi pas notre vie qui nous est si précieuse et impétueuse. Tel un cauchemar qui nous traumatise, mais les alternatives sont tellement impétueuses. Il ne nous reste plus qu'à trouver notre juste place, en attendant que tout s'efface et nous délivre. On a connu bien pire, l'Holocauste a fait bien plus de dégâts. On n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut y croire et se serrer les coudes et ne pas en découdre. Ensemble on vaincra la foudre.